Eh bien, le rebonjour à tous et à toutes, c'est Motina55. Aujourd'hui, on commence le premier match du deuxième tour du tournoi NDI. C'est avec moi, j'ai Crane Overdose. Comment ça va? Salut tout le monde, ça va et toi? Bon, ça va, ça va. Ah, écoute, ça va être un bon petit match parce que si on se rappelle bien, Unlock, bon, alias l'italien du 6000, avait gagné son premier match contre Raptor Mseto et l'avait remporté quoi. Et Simon Ronaldo l'avait remporté aussi contre, je ne m'en rappelle plus d'ailleurs, tu t'en rappelles toi? Ouais. Je vais te dire ça, je me rappelle plus, attends. Bon, en tout cas, voilà. Contre Abou. Voilà, contre Abou, exactement, contre Abou. Donc, il avait fait très fort Simon Ronaldo. Et pour aujourd'hui, ça sera du Unlock contre Simon Ronaldo. Et je pense que ça va faire un très très beau match. Et je pense qu'on va pouvoir partir sur ce match-là. T'es prêt? Je suis prêt. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que tu ressens pour ce match-là? Tu crois que qui va gagner pour... Moi je dis ça va pas trop serré, ça va pas être serré je pense. Ouais, tu crois ça... Ouais, je pense ça. Ouais. Ouais. Alors moi je sais pas, je sais que l'italien est très fort au niveau du snipe. Donc bon, alors en sachant que moi je vais suivre Unlock. Je prends un sim alors. Voilà. Alors, c'est voilà, je l'ai trouvé. C'est vrai que l'italien est très fort, mais c'est vrai que Sim, il nous a démontré que finalement il se démerdait très 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 bien, et c'est avec une grande surprise que le premier match il a gagné. Donc voyons ce match en sachant qu'on est sur Dome. Et en sniper. Voilà, en sniper, en sachant qu'on est avec un MSR, il n'y a qu'une classe, les deux personnes ont les mêmes armes. Pour ce deuxième tour, et c'est un MSR chargeur grande capacité, et on a tout, tour de passe-passe pro, bonne gâchette pro, tireur pro, et en compétence, vitesse en compétence, voilà, vitesse en compétence, voilà, exactement. Donc je pense que ça pourrait faire un très beau match. Alors attention, c'est quoi, le radar. C'est quoi, du flash cop ou de tout. Ouais. Oh là là. Alors Simon Ronaldo est déjà sur 2 kills, c'est pas mal. Oh. Et ouais. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Oh. Oh joli, Dunlock. Un quick scope. Oh, bien joué. Je suis trop monté pour Unlock. Combien 3-2. 3-2. Allez, 3-3. Voilà, égalité. Ce n'est que le début du match. Alors attention, il n'y a pas de temps, on est en santé minuscule. Et en parlant de tout ça, Zit n'est pas là aujourd'hui et c'est toujours Crane qui commente parce que de toute manière Zit n'a pas pu être là, en espérant qu'il soit là pour notre match à toi et moi, Crane. Ouais. Il y aura peut-être justement quoi qu'il arrive, Unlock s'il perd ou qu'il gagne, il sera aussi. Il commentera sûrement notre match. Donc voilà. Pour de fait, voilà. Alors oui, il y a aussi exactement l'insertion tactique. Et le couteau de lancer. Et le couteau de lancer. Unlock aime bien l'utiliser, ce sniper. Ce petit couteau là, je veux dire. Ah, il se débrouille bien. Il se débrouille bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais il risque de se faire repérer à... Unlock avec ses... Oh joli! Couteau de lancer en plein sur Simon Ronaldo. Allez, mais il se débrouille pas trop mal quand même. Hein. Ouais. Oh joli.
Alors c'est vrai qu'on a fait une petite étude sur le sniper en vidéo avec Raptor Mseto et justement l'italien, enfin lui, Unlike Revolt. Et on a parlé beaucoup comment savoir se pratiquer du sniper. Enfin, c'était pas trop mon cas parce que. Enfin c'est mon cas parce que je ne sais pas du tout l'utiliser. Il y a de très bons conseils à nous apporte Raptor Mseto. Autant pour moi, je vais me faire tirer les oreilles si je dis mal son pseudo. Et voilà. Je crois bien que Sim Ronaldo il bug de temps en temps. Ouais, mais c'est très certainement possible. Parce que des moments, je sais pas, il se téléportait un peu alors. Ah. Il a peut-être une mauvaise co. Hein. Je sais pas, il a 3 barres. Ouais, il a 3 barres comme tout le monde quoi. Alors oui, il y a, ouais. On a mis une série de victimes, comme vous pouvez le voir. C'est la série de victimes spécialistes. Alors, okay, ouais. Et pour ça, en fait, on a bah, justement Pillard. Et on a aussi, je crois qu'ils m'ont fait mettre visée solide. En deuxième, par contre, je me rappelle plus. Bah c'est soit y a quoi assassin. On va le voir si Unlock continue sa série. Y a quoi attends. Il peut y avoir qu'assassin hein. Parce que sur armement il servirait à rien. Oui. Ou anti-explosion il servirait à rien. Non. Ouais ça c'est sûrement ouais assassin peut-être. Y a combien 11 ans. 11, ah ouais, c'est comme une série finalement, tu vois, comme quoi. Ah, parce que c'est du sniper, c'est pour ça. Eh, mais tu plaisantes, mais si Ronaldo est très fort au sniper, mais s'il bug à moitié, c'est possible qu'il y a... Des qu'il perde ou qu'il gagne. Ouais, voilà. Alors franchement moi j'avais fait mes petits pronostics, franchement je pensais aussi que ça allait être Sim Ronaldo qui allait sûrement gagner mais finalement le match se fait en fait ressentir au niveau de l'égalité et comme le match d'hier. Ouais exactement comme le match d'hier et franchement là suspense. Oh, Sim Ronaldo lui a bien foutu celle-là. Je sais pas, mais... Oh, ah bah ouais. Vengeance. Vengeance. Oh. Ouf. Oh, je l'ai même pas vu. À vrai dire, sur l'écran, je l'ai même pas vu. Il doit avoir un petit décalage. Ah non, ah oui, je l'avais pas... Ah oui, d'accord, il était derrière la voiture, je l'avais pas vu du tout. Oh. Oh, Hitmarker. Mais pourtant... Oh non, il l'a tué. Ah oui, il l'a tué. Autant pour moi, alors. J'avais cru qu'il l'avait pas tué. Autant pour moi. Alors... Il se trouve pas... Et s'il se trouve, attention, ouais, il y a des petits bugs quand même. Hein. Ouais. Voilà, lui, il a pillard. Alors, s'il continue, il va peut-être avoir son autre atout. Oh, voilà, ça c'est fait. Voyons un petit peu les scores. Du 18-13. Oh là, Sim Ronaldo est dans une petite descente là, malheureusement. Ouais, il bug un peu quand même. Ouais, il bug, bon. On va mettre ça sur la cause du bug. On peut le concevoir. Voilà, exactement. Oh, bah voilà. Oh, joli. Ça, c'est fait. C'est intercession. Insertion tactique, merci. J'ai du mal à prononcer aujourd'hui. Oh! Alors attention, Nuck, tu risques de te faire avoir sur ton insertion tactique parce qu'il a dû le voir.
Je crois pas. Ah non, il Oh l'a non, enlevé. il l'a pas vu. Il l'a enlevé. Il l'a enlevé. Ou je sais pas. Oh, bien joué. Bien joué, bien joué. 21-16. Oh! Oh si! Oh, à côté encore! Et... Ah, les insertions, ça qui est chiant aussi. Ouais. Je sais pas, mais si on en a le, est-ce qu'il en utilise au moins? Non. Ouais, de temps en temps. Hit marker. Ouais, hit marker. Comme tu vois, il l'a touché et je sais pas pourquoi, il est pas mort. Call of Duty. Pardon? C'est Call of Duty. Ouais, c'est Call of Duty. Alors un petit bug. Franchement, on est vraiment en santé minuscule. Alors normalement, là, vraiment, genre, il fait une pichenette, il est mort, quoi. Donc forcément, normalement. Oh, attention à toi. Oh. Bien joué. Des fois, on sait même pas comment il les tue. C'est n'importe quoi. Ouais. Voilà, il a fait un wallbang. Et voilà, je sais même pas d'où il a sorti. Oh! Petite remontée, Ouais. 20-20. 23-20. Allez, plus que 7 kills pour Unlock. Et encore 10 kills pour 9 kills. kill maintenant pour Sim Ronaldo. Allez, allez. Hop, il est derrière, il a cassé une vitre. Allez. Faut vraiment que ça... Voilà. Ça, c'est fait. Allez, on est à 24. Plus que 6 kills pour Unlock. Oh. Oh, attention. Si Ronaldo, tu risques de te faire avoir. Mais non. Non, et non. Eh non, il a fait le tour, bien joué Sim, de la part de Sim, et il a été un peu plus intelligent finalement. Oh, attention. Oh, ah Voilà. joli. Oh, j'aurais dit que ça aurait été un headshot, mais non, même pas. Non, parce qu'il a tiré dans le cou, c'est pour ça. Ouais, c'est sûrement pour ça, parce qu'on voyait que sa tête quoi, en fait. Ouais, Mais mais c'est quand même très joli, très c'est joli. Call of Duty. Ouais. Voilà. Oh! Oh attention, on est plus que 4 4 kills pour Unlock et il gagnera son match. Faut toujours qu'il fasse attention parce qu'une remontée c'est assez vite fait. Je suis Ronaldo, lui n'a encore 8 à faire. Oh, c'est rattrapable. C'est rattrapable, exactement. Oh. Oh, il l'attendait, j'avais l'impression. Il l'attendait. Il savait qu'il allait arriver par là. Oh. Dommage. Oh. Plus que 3. Plus que 3. Et plus que 7 pour Simon Ronaldo. Allez. Très bien se passer. Attention, il est caché, on sait où ce qu'il est. Oh! Eh oui. Eh oui, eh oui. Plus rapide. Allez, plus que 6. Oh! Plus que 5. Allez! Comme quoi, une remontée tellement vite fait. Allez, plus que 4. Et on se rapproche, plus qu'un point d'écart. Plus qu'un point d'écart. Attention, Stream l'a vu. Unlock aussi. Ça va faire quoi tout ça? Et non, et non. Unlock préfère faire le tour. Mais est-ce que Simon Ronaldo n'a pas compris son petit piège? Si, il va derrière. Ah voilà. Il va derrière. Et attention Sim! Oh là là là! Plus que deux pour Unlock. Plus que deux. 2 pour 4. Voilà.
quand même assez serré. Quoi qu'il arrive, bien joué au gars qui quand même gère sur le sniper. Plus que 3. Plus que 3, il se serre le cul, j'ai l'impression. Attention, oh, plus que 3 par 2 partout. Plus que 2 partout. Vont-il faire un 360 ou une chose comme ça en killcam? Plus que 2. Oh, plus que 1 pour Sim Ronaldo, attention. Tu penses que qui va gagner? Nock ou Sim? Eh ben, ah là là, c'est difficile à dire. Peut-être Sim, en le connaissant bien, franchement, je... Là, je pense qu'il tente 360. Oh, oh, le Titanic. Le Titanic 360, j'ai envie de dire. 360 Titanic. Ouais, oh là là, le 360... Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est joli. Il l'a raté, bon c'est pas grave. Ouais, il l'a raté, mais c'est, t'as dit, c'est MW3. Hein. C'est Call of Duty. Eh bien, c'est sur ce très beau match que finalement, on arrive à un beau score. Très serré partout, finalement. 30-28. 30-28, et je remercie les gars, et j'ai envie de dire, bien joué encore à vous les gars. Et merci à toi, Crane, d'être encore avec moi pour ce petit commentaire. Et peut-être que pour la prochaine, tu vas être encore avec moi. Ouais. Alors, pour la prochaine, on va avoir du Gigil 006 et du... alors, on a du Dadindan alias, qui peut s'appeler aussi FaZe, comme il a joué son match sur son compte-là. Donc, on va avoir un beau match encore pour après. Ouais, c'est sûr. Eh bien, je te dis à tout à l'heure, Crane. Ouais. Et puis... Bon, ben, à tout à l'heure aussi, et ciao tout le monde. Et ciao tout le monde.